À l'approche de Noël, quand elle rentre du travail, Marilyn fait régulièrement un crochet par la supérette à côté de chez elle, à Suresnes, en banlieue parisienne. Bonsoir. Je viens récupérer un colis. Il y a 4 jours, cette maman de 33 ans a passé commande sur Internet. Oula. Le colis est imposant. Le Père Noël sera généreux cette année. Il y a des jouets pour les enfants pour Noël. On va être discret quand on va rentrer du coup. Merci beaucoup, bonne soirée, voilà, bonne fête. Soirée. Au revoir. Comme 32 millions de Français, Marilyn achète ses cadeaux en ligne. Premier réflexe, vérifier le colis. Ah bah, et en plus il nous parle déjà, si c'est pas mignon. Donc c'est bien ce qu'on avait demandé, voilà. Le chat Bouti. Un chat à 38 euros pour son cadet. Et pour son aîné, ce château à 25 euros. Deux fois moins cher que les prix catalogues des supermarchés. Je pense que là, ils vont être ravis. Il n'y a plus qu'à gâcher tout ça. À 3 semaines des fêtes, c'est déjà le 6e colis que Marilyn récupère. Alors en arrivant à la maison, elle sait parfaitement comment s'y prendre. Avant que ses enfants accourent pour l'embrasser. Bonjour les doudous. Le colis n'a pas attiré l'attention de ses fils. Il est maintenant l'heure d'aller dormir. Maman va t'expliquer quand tu seras couché. D'accord, allez, on monte, on y va. Allez, on monte se coucher. Les parents vont maintenant pouvoir cacher les arrivages du jour. Et ce n'est pas une mince affaire. Leur dressing déborde déjà de jouets achetés sur Internet. Non, ça va pas rentrer. Il ouvre jamais ce placard. Oui, mais est-ce que ça rentre? C'est la question. Ah oui, non, non. Là, il va ouvrir le placard pour prendre ses chaussures. Non, mais ça va pas du tout. Quel est le problème? Bah là, c'est un placard qu'on ouvre pour prendre les chaussures le matin. Chaque année, il dépense 300 à 400 euros en jouets sur les sites de e-commerce. Une bonne chose de faite. Pour leurs enfants, mais aussi pour leur famille. Leurs achats, ils les font le soir, quand leurs deux fils sont au lit. Pour la liste. Cette fois, c'est un neveu qui a passé commande au Père Noël. Enfin, sa mère a envoyé une photo par SMS. Il veut ce robot motorisé. En quelques clics, Marilyn le trouve sur ce site et le commande à 34,99€, livraison comprise. 5 euros de moins que dans certains magasins de jouets. Sans même bouger de son canapé, le couple a fait des économies et pense s'être évité une mauvaise surprise. Ça m'est déjà arrivé d'aller en magasin, Toys R Us par exemple, ou chez Auchan, et le jouet il n'y a pas. Ouais. Du coup, j'ai bien galéré avec les enfants pendant une heure ou avec d'autres personnes, et je rentre bredouille. Donc après, il faut repartir dans un autre magasin, et donc c'est pas forcément évident. Et voilà, votre commande a été bien passée. Donc ça, on peut pas faire plus efficace concrètement. C'est vraiment super. Les magasins de jouets à l'approche de Noël, c'est un peu comme une autoroute au début de l'été. La foule, la sécurité renforcée, l'embouteillage aux caisses. Alors ces dernières années, nous sommes toujours plus nombreux à jouer les Pères Noël en ligne. Un Français sur 4 préfère déjà Internet au magasin, ce qui suscite la convoitise des géants du e-commerce et des grandes enseignes du jouet qui passent sur le web. Une bataille commerciale sans merci. Alors comment les sites tentent-ils de s'imposer? Et est-ce vraiment moins cher d'acheter ces jouets sur Internet? En France, Toys R Us, leader historique du marché avec 48 magasins, s'est aussi mis au e-commerce et a ouvert l'an dernier le plus grand centre logistique de jouets à 1 heure de Paris. 50 000 mètres carrés. Dès 6 heures du matin, le chef des troupes arrive sur place après une courte nuit. Sous les ordres d'Abdel, 140 saisonniers en gilet rouge, recrutés spécialement pour faire face au rush de Noël. En temps normal, il n'y a ici que 15 salariés, ceux en gilet bleu. À 3 semaines de Noël, l'équipe va affronter les journées les plus difficiles de l'année. Ingrid, ça va mieux? Oui, merci. Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a 7000 commandes dans le système.
Et donc maintenant, il va falloir vraiment envoyer parce que là, on est en saison. Les clients, ils nous attendent. Les clients sont là. Les clients ont passé commande et les clients veulent leur article. Voilà, les petits enfants, ils attendent leurs produits au pied du sapin. En décembre, cet entrepôt doit expédier 5000 colis par jour en moyenne. 10 fois plus qu'en temps normal. Pour rivaliser avec les supermarchés, le site promet à ses clients une livraison express en 2 à 3 jours maximum. Alors ici, un seul mot d'ordre, toujours plus vite. Tu penses vraiment à mettre ton numéro de chariot, qu'on puisse, si la feuille au pire des cas elle tombe, qu'on puisse l'avoir. Mais je pense qu'il est derrière, mais ici tu peux me le remettre devant. C'est un peu la maison du Père Noël. Voilà, c'est ça avec, là faut s'imaginer tous les petits lutins. Voilà, on est des petits lutins, on est les petits lutins du Père Noël. Pour les lutins, pas question de traîner en chemin. Ex-étudiant en architecture, Valentin travaille ici les 2 mois qui précèdent Noël comme ramasseur. Toujours Playmobil. Son job, collecter les jouets à l'aide de ce bras électronique qui le guide dans ce labyrinthe d'étagères. Donc là, en gros, je dois prendre 2 jouets qui est à l'emplacement 06B1A. Donc je dois prendre 2 jouets comme celui-là. Là. Équipé tel Robocop, il parcourt les allées à la recherche des articles durant 6 heures d'affilée. 30 commandes par chariot. Le cubedo, ouais, c'est un squelette. Voilà, encore des Playmobil. Au total, une dizaine de chariots par jour, payés au SMIC. J'avais demandé, quand je venais d'arriver ici, combien de kilomètres on faisait en moyenne, et il m'avait dit qu'on en faisait à peu près 10 en moyenne en 6 heures, donc c'est quand même fatigant, quoi. C'est quand même éprouvant à faire ça tous les jours, surtout que c'est 6 jours sur 7, même le samedi matin. Une fois son chariot plein, Valentin le transmet au préparateur de commandes, ceux qui emballent, comme Nathalie, 38 ans, en gilet bleu. Dans le A10, ouais, je suis pas persuadée. Ici non plus, pas le temps de bavarder. Ah bah nickel. Il faut suivre le rythme des ramasseurs. On a un objectif, c'est un produit à la minute. Donc on va dire qu'un chariot doit être fait en 20 minutes. Faire le carton, mettre le jouet et le papier bulle à l'intérieur et éditer la facture en seulement 1 minute. Pour cela, ils sont aidés par l'informatique, en particulier sur la taille des cartons. Et là, donc, sur notre facture, on a le format A7. A7, un des nombreux codes que les saisonniers doivent apprendre ici. Nathalie leur a préparé un pense-bête. A7, petit produit. A14, long produit. A9, un petit peu plus haut produit. A10 et A13, plus important produit. Mais parfois, les jouets sont trop grands. On va lui couper la tête. Dark Vador devra partir chez le client, emballé dans du papier craft. Dans le e-commerce, chaque livraison est différente. À la mi-journée, 1500 colis ont déjà été expédiés. Et pourtant, le nombre de commandes en attente ne cesse d'augmenter. 7000 le matin, 8300 à 16h. De quoi stresser le manager. Faut vraiment qu'on suive, faut pas qu'on se laisse dépasser. Le système continue sans cesse. Les clients ne s'arrêtent pas. On ne peut pas arrêter les clients. Alors Abdel garde toujours un œil, ou plutôt une oreille, sur le rythme de travail à l'étape finale. La fermeture des colis. Si à un moment donné, j'entends pas la scotcheuse, c'est qu'il y a un petit moment où c'est un petit peu trop calme. Et quand la scotcheuse derrière, elle est en route, ah, derrière, là, on est content parce que c'est des commandes qui partent. Une fois prêt, les colis filent à 7 km/h sur ces tapis, direction la plateforme de chargement. En décembre, 10 semi-remorques comme celui-ci quittent chaque jour le centre logistique pour livrer des milliers de clients. Résultat, l'angoisse de la rupture de stock monte pour Aurélien, responsable des approvisionnements. Depuis quelques jours, cette console de jeu vintage est indisponible sur le site. C'est très très demandé. On en a reçu 250 pièces la semaine dernière. En 24 heures, elles étaient écoulées. Heureusement, dans l'entrepôt, des camions pleins de jouets arrivent chaque jour pour reconstituer les stocks. Et ce matin,
l'une des livraisons intéresse tout particulièrement Aurélien. Un soulagement. Donc là, on a une réception de 54 pièces. 54 exemplaires de la console de jeu en rupture, envoyés par le fournisseur. Une bonne nouvelle pour lui, car sur les sites des concurrents, le produit reste très difficile à trouver. Il ne l'a pas. Nous l'avons chez notre concurrent, chez un de nos concurrents, aux alentours de 160 €. C'est celle-ci. Soit environ 3 fois le prix chez ce marchand qui veut peut-être profiter de la pénurie. Aurélien remet immédiatement la console en stock à 59 € pièce. Un succès assuré. Et à ce moment-là, les pièces sont en stock. Les 54 consoles vont être vendues sur le site en seulement 20 minutes. Pour s'imposer sur le marché du jouet en ligne, les marchands se mènent une guerre des prix sans pitié. Exemple, dans le centre-ville de Bordeaux, chez le numéro 2 du e-commerce, Cdiscount. 1400 employés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. À l'approche des fêtes, le site multiplie les promos mises en place chaque matin lors d'une réunion stratégique que nous avons été exceptionnellement autorisés à filmer. L'idée aujourd'hui, c'est de regarder ce qu'on peut mettre en avant sur le site comme type de produit. Pour choisir, ces commerciaux analysent toutes les recherches faites par les clients sur le site. À chaque fois que vous consultez un jouet, l'information est enregistrée. L'équipe sait ainsi en temps réel quels sont les produits les plus recherchés et peut faire les bonnes promos au bon moment. Il y a des tendances. L'année dernière, par exemple, il y avait beaucoup de tendances sur la Reine des Neiges, 2014-2015. Cette année, la Reine des Neiges, c'est un peu en deçà. Donc cette année, on sent qu'il y a une demande sur Pat Patrou qui est en train de s'accélérer sur la fin de novembre. Jouet star de Noël, ces petits chiens héros de dessin animé. Depuis 48 heures, la demande ne cesse d'augmenter. Clairement, entre lundi et mardi, hier, on a un pic de demande sur ce produit-là. On est passé de 5 000 recherches à 10 000 recherches. Donc c'est le moment pour nous de le mettre en avant. Le mettre en avant, c'est-à-dire baisser le prix de 49,90 € à 44,90 €. Le e-commerçant espère ainsi faire de ce jouet un produit d'appel pour créer du trafic et donc d'autres ventes sur son site. Le produit en promo va déclencher l'acte d'achat, mais cet achat va être peu à peu complété par des produits d'autres rayons, dans 50% des cas. Cette opération commerciale vise donc à faire consommer des clients attirés par la promo. Mais alors, est-ce que ça marche ? Direction, le centre logistique du site, en banlieue de Bordeaux. 100 000 m², soit 15 terrains de football. 120 000 colis expédiés chaque jour. Avec Noël, la cadence augmente encore, notamment pour Justine, préparatrice de commandes aux jouets. La promo Pat Patrouille marche fort. Elle doit déjà faire face à plusieurs commandes comme celle-ci. 2 heures après la mise en ligne, la stratégie du site fonctionne à merveille. Donc, le client là a commandé le quartier général Pat Patrouille qui a été mis en avant sur le site et en a profité pour faire la globalité de ses courses. On peut voir une marchande, enfin un supermarché. On peut voir, hop, je vais pas arriver à le sortir, une peluche interactive. Et dans le reste de sa commande, une caisse enregistreuse, une poussette pour bébé et un set pour faire la cuisine. Grand gagnant de cette opération commerciale, le site qui va vendre plus de 160 Pat Patrouille sur la journée, avec dans la moitié des cas d'autres produits. La réduction est donc largement rentabilisée. Mais alors, est-ce vraiment moins cher d'acheter ces jouets sur Internet? Pour le savoir, nous avons décidé de faire un comparatif sur 10 jouets populaires à l'approche de Noël. Avec notre petit calepin, nous avons d'abord fait des relevés de prix aux rayons jouets de 3 grandes surfaces. 69,90 €, exactement le même. Puis le même jour, on a refait la même chose sur 3 sites
avec les 10 mêmes articles et on a fait les moyennes pour comparer, hors frais de livraison. Verdict, la grande distribution est moins chère sur 2 jouets, le e-commerce l'emporte sur 8 jouets. Exemple, ce pistolet vendu en moyenne 49,95€ dans les magasins, contre 45,21€ en moyenne sur le web. Mais attention tout de même aux fausses bonnes affaires à cause des frais de livraison. Sur Amazon, elle est payante en dessous de 25€ d'achat. Cette boîte affichée 16,66€ coûtera en réalité 19,65€, le même prix qu'en magasin. Sur le site de Toys R Us, la livraison est plus chère. Le pistolet affiché à 49,99€ vous coûtera en fait 58,49€ avec les frais de port. Mais à l'approche de Noël, attention aussi au moment où vous achetez les jouets. C'est ce qu'a découvert l'association UFC Que Choisir qui a suivi l'évolution des prix sur Internet les 4 mois précédant Noël. On voit très nettement qu'on a des prix qui sont assez élevés, qui vont descendre en fait jusqu'à fin novembre, début décembre. Jour le moins cher l'an dernier, le 27 novembre. Après, le prix des jouets n'a pas cessé de grimper, sur le web mais aussi dans les magasins. Ah oui, acheter au dernier moment pour Noël, vraiment, c'est payer le prix fort sur les jouets. Ou alors, on peut avoir des promotions, mais ce sont vraiment les jouets qui n'intéressent plus les enfants. Donc, les distributeurs ont vu qu'ils n'arrivaient pas à les vendre et cassent les prix. Mais vous ne ferez pas plaisir à l'enfant, donc c'est complètement inutile. Mais à Noël, il n'y a pas que les sites des géants du e-commerce. Car Internet a aussi permis à certains Français de créer leur propre boutique de jouets en ligne, avec parfois beaucoup de succès. Dans cette bâtisse fraîchement rénovée au cœur de la Mayenne, c'est aussi le rush de Noël. Sauf qu'ici, ils sont seulement 2. Ce matin, Rachel et son mari Lionel doivent expédier 150 commandes. Un rythme démentiel pour ne pas prendre de retard. Toujours les mêmes gestes. Ça, c'est vraiment une partie qu'on aime bien, justement, en période de Noël, parce qu'on imagine bien que va devenir l'objet. On imagine la personne qui va l'ouvrir. Et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. On dit tous ces efforts, il va y avoir des sourires au bout du compte. 4 ans après leur début, ils réalisent déjà 250 000 euros de chiffre d'affaires grâce à des produits originaux qu'ils dénichent un peu partout en Europe. Celui-là est belge et fait fureur. 600 boîtes écoulées pour Noël à 34€ pièce. Ça, c'est vraiment le best-seller. C'est un sac de rangement, en fait, qui sert à la fois de tapis de jeu pour l'enfant, par exemple, pour tous les Lego, les petites pièces, les petites briques de jeu. Et l'enfant joue dessus. Et quand il a fini de jouer, on tire sur les ficelles et tout est rangé comme par magie. Sur leur site, 3000 références pour colorier, pour construire, apprendre le morse ou la magie. Leurs clients peuvent aussi commander ce bureau, cette voiture ou cet oiseau, sans savoir qu'ils sont fabriqués ici même. Anciens parisiens, Lionel, ingénieur, et Rachel, qui travaillait dans un cabinet d'avocats, ont tout plaqué pour vivre à la campagne et fabriquer leurs propres jouets en bois. C'est une mésange, en fait, qu'on va percer ici, en diamètre 10, 1 cm, de manière à glisser ensuite les petites ailes en tissu. Ce drôle d'oiseau a du succès. Déjà 200 ventes par mois. Et à l'approche de Noël, Rachel a un peu de mal à suivre. J'ai un petit stock. Et au fur et à mesure des commandes, bien sûr, je prends dans mon stock. Sauf que là, on est arrivé au fond de stock. Donc on en est arrivé là à produire à la commande. La mésange sortira donc bientôt de son nid. Lionel, je vais voir s'il y a des commandes. J'arrive. Elle a déjà été achetée sur le site par un client. Dans les mois qui viennent, le couple prévoit de recruter un designer pour développer sa gamme, mais aussi de louer un entrepôt pour sa logistique et même de créer un site internet en anglais. Leur petite affaire pourrait vite devenir aussi belle qu'un conte de Noël.